les amis. Eh bien, bonjour à tous. Ça y est. On a eu de l'eau. On a eu de l'eau. Ça a bien plu. Pendant oui. des heures, ça a bien trempé. Donc, j'en profite tout de suite pour faire un repiquage. Donc, j'ai de la scarole à repiquer. Elle pouvait encore rester en pot. Hein. Les racines, elle n'a pas occupé toute la motte. Mais voilà, le sol est prêt, il est frais. Donc, on va repiquer. On va aller doucement. On va casser toutes les mottes et puis voilà. Elle a déjà de belles tailles. C'est déjà de la belle petite salade à piquer. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. Hein. Il voilà. avoir beaucoup de racines, je pense pas. Ouais, je pense pas non plus. Ouais. Voilà. Ouais, il y en a. Il y en a un petit peu, mais bon. Ça pouvait encore attendre. Oui. Et là, comme le sol il est bon, il est prêt. Mm-hmm. Donc là, il y avait de la pomme de terre en début de saison. Ensuite, il y a eu du haricot. Oui. Et là, il y aura une dernière culture pour l'année. Les salades. Les salades, les scaroles. Bon. Donc là, c'est de la scarole géante bouclée. Donc c'est une salade qui s'étale. Donc il dit qu'il s'étale, il dit qu'il faut de la place. Donc ça sera une salade tous les 40 cm. Minimum. Hein. Avec une scarole, ça fait ça. Ça peut faire ça, oui. Mmh. Voilà, il faut laisser bien s'étaler. Elle va prendre sa place, elle va bien se remplir, elle va faire de la hauteur. Et là, on la fera blanchir. Avec un pot, en plastique, mais pas blanc bien sûr, un plastique sombre pour que ça fasse de l'ombre. Ou alors un sac de jute ou une planche ou une tuile. Ce que vous avez pour... Ouais. Donc là j'ai préparé mon sol, j'ai passé la grelinette. Oui. Bon, juste pour décompacter, hein, parce que c'était pas très, très compacté. Mm-hmm. J'ai amendé encore une fois, oui. J'ai remis des granulés. Mm-hmm. Chose que je fais entre chaque culture. Parce que c'est une culture qui va rester jusqu'en fin d'année, donc je dirais 3 mois. Au moins, ça dépend de la saison. Alors, on voit là, le sol est quand même assez bien préparé. Oui. Assez meuble et assez humide. Voilà, donc je disais une 40 cm. Ça fait 25, plus ça fait là. Ça fait loin, mais vous allez voir, ça va vite remplir. Oui, c'est vrai que ça paraît loin, oui, exact. Ça va vite remplir. Mmh. Voilà. Bien sûr, après ça, toujours... Un arrosage. Un arrosage. Et donc, je vais en faire 2 lignes. On a des morceaux de verre qui remontent. Oui. Sur les mains. Hein. Voilà, donc ici. Donc, attends, je prends quand même, peu on voit, ça a plu, mais... Il y a un paillage assez épais. Ouais, ça a du mal à passer. Ah bah quand même, quand même. Mmh. D'ailleurs, j'ai des avantages et des inconvénients. Hein. Bien sûr. C'est pas longtemps. Mais... Et là, on met en quinconce. On met en quinconce pour gagner de la place. Parce que si j'avais mis en face, il fallait que je mette 40. D'accord, ok. Parce que ça me permet de mettre un peu moins. Un petit peu moins. Et d'ici, je dirais d'ici 5-6 semaines, la place va être occupée complètement. Donc voilà. De toute façon, il y aura un suivi. Hein. Oui. On voit, hein, encore c'est quand même. Oui, oui. Par endroit. Ok. Bon. Voilà, donc là c'est dans le jardin. Et là ce que je vais refaire un semis dans la foulée pour la serre. Et ouais. Voilà. Donc là, je vais profiter que le sol il y a eu de la flotte pour semer de la mâche en même temps. Hein. Donc là, je vais semer de la mâche verte de cambrai. C'est une salade de chenor. Hein. Une bonne petite mâche aussi. Bon. Quoique moi, je préfère quand même la mâche à grosse graine. C'est celle que je ferai en plateau à violet après. Je vais fermer ça, sinon je vais remplir mes poches. Oui. Hein. Mmh. Donc j'ai mis ça dans un semoir tout simplement. Hein. Mais avant de semer, bien sûr, il faut préparer son sol. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas travailler le sol pour la mâche. Il vous faut un sol compact. Donc, on va juste griffer la surface, en fait. Je prends une griffe aérateur comme ça. Hein, si vous voulez semer à la volée, prenez plutôt un râteau ou un croc. Hein. Voilà, moi, je vais juste faire une ligne sur le cordeau. Hein. Donc là, j'ai juste griffé en surface comme ça. Et puis, moi, j'ai rien fait en profondeur. Bien sûr, j'ai mis un petit peu de granulé.
pour amender. Hein, voilà. Et si vous n'avez pas de grande blé, vous pouvez mettre du fumier, du compost, ce que vous avez. Bien sûr. Voilà. Donc après avoir griffé la surface du sol, un sol déjà humide, hein, si le sol est sec, vous n'avez pas eu d'eau, arrosez le sol avant. Et si on est au-dessus de 25 degrés, ne semez pas, attendez. Il n'est jamais trop tard. Hein. Voilà. Donc là, mon sol est prêt. Ça y est, j'ai plus qu'à semer. Il n'y a rien de plus simple que de semer de la mâche. On ne fait pas de sillon, rien du tout. On y va en direct. Direct comme ça sur le sol. Indirect. Je ne fais pas de sillon parce que la graine de mâche, en fait, elle ne doit pas être en tirée. Ok. En fait, elle doit être en surface. Mais, on reviendra là-dessus après. D'accord. Donc là, je vais semer tout simplement comme ça. Hein, ça va être un peu éparse. Pas trop de rue quand même. Hein. Voilà, je vais faire ça tout le long. Voilà, donc là j'ai semé toute ma ligne tout le long du cours d'eau. Je vais pas laver maintenant, quoi, donc je vais le laisser encore un peu. Bien sûr, si je laisse mes graines comme ça, nos amis les oiseaux. Bah, ils vont venir se servir. Hein. Bah, ils vont venir avec du courrier, bien sûr. Bah oui. C'est logique. Bah, quand même. Voilà, donc vous avez deux solutions. Alors, ou voir passer un coup de griffe ou un coup de râteau sur vos graines, ça va les mélanger au premier centimètre. Ou, ben, vous prenez un peu de terreau et puis vous tamisez dessus juste pour couvrir les graines. Voilà. Alors on fait ça bien tout le long. Ah, je peux vous faire sous la ligne. Voilà. Ensuite, on va malmener les graines. Je vais malmener mes graines. Donc attention, là, il y a une scène dite de violence, hein, qui va apparaître. Voilà, donc je prends une planche. Bon, ça, c'est un damoir que j'ai fait une araignée. Construction maison. Voilà, construction maison. C'est une planche avec un morceau de chevron. Hein. Ni plus ni moins. Bon, il y a une araignée, bon, je vais attendre qu'elle s'en va. Sinon, je vais la blesser. Elle va. Reste là. Voilà, puis avec ma planche, ben, je vais juste redamer mes graines. D'accord. On voit ? Oui, on voit. Voilà. Donc puis après ça, ben, un coup d'arrosage, en pluie fine si possible. Hein, voilà. Ni plus ni moins. Alors donc, si vous travaillez et vous n'êtes pas toujours là, eh ben, vous couvrez votre semis avec ce que vous avez. Ça peut être un voile P17. Et mieux c'est P30. Si vous serrez du P17, doublez-le. Vous trempez, vous mettez dessus. Voilà, faut que ça aille jusqu'à la levée. Il faut que ça soit toujours humide, en fait. Par contre, si vous êtes au jardin tous les jours, ben... Ouais, vous passez un petit coup d'arrosage. Voilà, vous l'arrosez tous les jours. Ni plus ni moins. C'est pas plus compliqué que de semer la mâche. Mais surtout, ne pas travailler le sol. C'est la base. C'est important. Voilà. Maintenant, ben, je vais finir ça, puis on va aller semer. Donc là, on est arrivé dans la serre. Et on voyage, hein, et en plus, on est le lendemain. Hein. J'étais obligé d'arrêter parce que je pouvais plus. Oui, ça n'allait pas, oui. Ouais, ouais. Je ne pouvais plus. Donc bon, là, j'ai dépeigné un coin où il y avait des tomates que j'ai enlevées parce que... Mais bon, ils repartaient en fleurs, mais... Pour cette année, ça suffit. Donc là, on a enlevé les pieds. Après tout, parce qu'il y a encore plein. Oui. Voilà. Et j'ai semé de la carotte à suif. Alors, carotte à suif, vous avez de la touchon, vous avez de la nantaise. Hein, c'est ce qu'on appelle les carottes de printemps. Donc, si tout va bien, on aurait pour la fin de la saison, c'est-à-dire novembre, décembre. Si le temps n'est pas très beau, puis commence à faire froid très vite, bon, je les aurai pour le mois d'avril. Comme ça, on aura de la carotte en même temps que les pois. Les pois. Voilà. Donc voilà, donc là on va aller faire un semis de mâche en plaque alvéolée. Et je vais vous expliquer les avantages de faire ça en plaque alvéolée. Ben, les tomates, le jardin d'Olon. Me demandez des graines de celle-ci. C'est la taille d'ail. La taille d'ail, c'est une F1. Donc je ne fais pas de graines avec. De plus, là, c'est le pied qui est greffé, donc elles sont très belles, hein, de belles tailles, des beaux fruits, hein, des très beaux fruits. Hein. Par contre, la non greffée, et le pied initial, voilà, ça donne ça. La petite tomate comme ça.
Je dirais sans grand intérêt. Elle est bonne quand même, elle est bonne, elle a un bon goût, mais c'est vraiment son intérêt qu'il faut avoir des petites tomates comme ça. Et puis elle n'a pas la même couleur. Hein. Non. Ça nous a surpris. Ouais. Mais bon. Et si vous voulez mettre de la tomate de cette taille-là, bah mettez une cocktail. Ça fait ça. Tout à fait. Voilà. Mais sinon, il y a encore des beaux sujets. Il y a encore des très beaux sujets. Des belles choses, hein. Ah ouais, des très belles choses. Alors voilà, ici, là. Encore les sacrées récoltes à faire, hein. Mm-hmm. Tout seul, hein. Bon, ça... On va faire une récolte après. Hein. Oui, ouais, je pense. Mm-hmm. Voilà, bon, voilà, il se met des graines. Oui. J'arrive. Doucement, mais j'arrive. Oui, parce que si je passe trop vite, c'est pas si beau. On a même des pommes qui ont cramé. Ah oui. Les pommes, ils tombent, sont cramées. Les pommes ont brûlé sur place, oui. Non, pas beaucoup de pommes cette année. Je crois que j'ai fait ma... Enfin, il fallait savoir aussi. J'ai fait ma taille en verre un peu trop tôt. Mm-hmm. Mais il fallait savoir que j'aurais fait des chaleurs pareilles. Eh ouais, on pouvait pas prévoir, hein. Mais non. On ne pouvait pas prévoir du tout. Bah. Alors, je vais vous expliquer. Hier, j'ai expliqué mes scaroles. Donc là, j'ai refait un semis pour prolonger la saison. Hein. Donc, il y en a qui ont serre, hein, parce qu'on vous avez vu, on va commencer à enlever les tomates. Et d'autres qui ont dans le jardin. Et ceux qui ont dans le jardin, il faudra peut-être prévoir aussi, c'est une protection. Hein, pour les couvrir un tunnel ou un tunnel et un voile peut-être. C'est pour ça qu'elle prend du temps. Cette salade-là, gèle. Hein. Ouais, la grosse. Ouais, dès qu'elle commence à geler, elle pourrit. Surtout les scaroles, les grosses scaroles. C'est bon, mais voilà. Mais en serre, on arrive à les prolonger plus longtemps parce qu'on les protège. Mm-hmm. Davantage. Donc les avantages de semer la mâche en alvéole. Il y en a plusieurs. Déjà quand on sème en pleine terre, souvent les adventices ils sortent en même temps que la mâche. Donc après c'est question de patience pour désherber. Et voilà, c'est faisable. Bien sûr. C'est du jardinage. C'est toujours faisable. Bien voilà, sûr. C'est du jardinage. L'avantage de les faire en plaque alvéolée, c'est que vous allez repiquer directement la mâche. Donc les adventices n'auront pas eu le temps de prendre dessus. Pour les nettoyer, ça ira beaucoup mieux. Deuxième avantage, c'est que si vous n'avez pas encore la place pour les mettre, vous pouvez commencer à faire votre semis. Et dès que vous aurez de la place, vous allez les repiquer. Voilà. Et il n'y aura pas de dédoublage à faire. Vu que vous... Directement. C'est un avantage. Pas de dédoublage vu que vous allez repiquer à la distance qu'il faut prendre la mâche. Voilà. Donc, pour un semis en plaque alvéolée, moi ce que je conseille, c'est prendre du terreau universel, bien sûr, toujours pareil, hein. Un bon terreau de bonne qualité, assez fin, rempli à la plaque. Les alvéoles, moi c'est des 28 mm, après, c'est ce que vous avez. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc par contre, là c'est de la mâche, donc comme il faut un sol assez ferme, donc là, il ne faut pas hésiter, il faut bien tasser. Il faut bien tasser. D'accord. Voilà. Surtout le premier remplissage, vous tassez bien. Pas le deuxième, parce qu'après, vous n'aurez plus la place entre l'alvéole, pour creuser l'alvéole. Oui. Hein, si vous avez damé tout. Mais là, le premier remplissage, vous le damez bien. Pour que la racine ait de quoi s'accrocher. Voilà. Je ne joue pas de piano, hein. Il n'y a pas de musique. Après, vous faites le deuxième passage. Et celui-là, vous le remplissez normalement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, premier remplissage, bien enfoncé, bien damé. Et deuxième remplissage, normal. Comme ça, je vais pouvoir creuser mes alvéoles. Avec... Tiens, un petit morceau de bois ou je sais pas. Ouais, ça arrive. Hein. Bah oui, oui. Hop. Et je voyais que ça, en fait. Ouais. Voilà, et maintenant, je peux creuser mes alvéoles, parce que la deuxième remplissage de la plaque, je ne l'ai pas trop tassé. Hein, là, maintenant, je le tasse. Mais en creusant mes alvéoles. Pour faire la graine. Mettre la graine. Les graines. Je vais en mettre plusieurs. Là, on va mettre plusieurs. Hein. Mm-hmm. Voilà. Comme ça, ça fera des beaux petits bouquets. Exactement. Quand ça va lever, et pour mettre dans le jardin, ça sera beaucoup mieux. Donc, dans le jardin, j'ai mis de la verte de cambrai. Mm-hmm. Et là, je vais mettre de la mâche à grosse graine. Oui, c'est ce que tu avais dit. Hein. Celle-ci, j'aime bien. Et moi aussi, je préfère. Une bonne mâche. Bon, après, voilà. Après, il y en a plein, il y a la coquille de bouvier et tout ça. Et puis, ça dépend des goûts, hein.
Voilà, donc c'est de la grosse graine comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Combien de graines à peu près ? 3 voire 4. 3 voire 4. Voilà, par alvéole. D'accord. Et ça sera répliqué comme ça. On va pas les séparer. Ben voilà, après avoir rempli tous mes alvéoles, un petit coup de passoire à nouilles pour remplir mes alvéoles comme il faut. Alors on couvre pas trop, hein. Juste pour remplir la graine. Il hein. Faut que ça couvre la graine quand même. Hein. Mm-hmm. Voilà. Ah, moi j'ai pas la main, on peut le faire avec une spatule. Oui, oui, oui. Hop. C'est de la grosse graine, ça risque de remonter un peu. Oui. Voilà. Après, on arrose. Voilà. Regardez ça, un bon arrosage. Le plateau, il est placé à mi-ombre. Ah, c'est ce que j'avais demandé. Vous ne mettez pas ça en plein soleil. Donc, vous mettez ça. Si vous le mettez sur le bord de la serre, vous mettez... dès que ça lève, vous le sortez. Sinon, ça va filer. Donc, à ce moment, les semis sont mieux dehors que dans la serre. Voilà. Donc, il vous faut un éclairage de la moitié de la journée, je dirais. Voilà. Pas, donc pas de mi-ombre, pas d'ombre complet, c'est pas bon. Non, ça va filer, normal. Voilà, donc... Ça c'est pour la mâche. Ça c'est pour la mâche, pour les épinards. L'épinard, vous pouvez faire de la même façon, vous mettez 3 graines par alvéole. À part qu'il faut moins tasser au départ. Il n'y a que pour la mâche, il faut vraiment damer. Tasser fort comme ça. Vous damez fort le premier remplissage, et le deuxième normal, pour pouvoir creuser. Mm-hmm. Voilà, donc ça, moi je vais le mettre ça dans mon châssis dehors, comme ça, ça restera mi-ombre. Et puis ça sera repiqué ou dans le jardin, tous les 20 cm. Ou dans la serre, ça dépendra de la place que j'ai. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc pour la mâche, ne pas travailler le sol, même quand c'est en pleine terre, vous ne travaillez pas le sol, vous griffez la surface, vous semez, vous damez derrière et vous tenir humide. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On est bon, Jaco? On n'a plus rien à dire? Non. Je ne vais pas faire mon semis de... Non, ben là, on va faire aussi la scarole. Hein, la scarole, bon, je vais la faire, mais je ne vais pas la filmer, parce que pour l'instant, il y a une vidéo là-dessus. Ouais, ouais. Voilà. On vous dit à très bientôt. À bientôt, et puis, semez de la mâche. Bon jardinage à tous. Au revoir.